Eh bien, salut à tous les amis, c'est Warlock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 17ème live d'Assassin's Creed Origins. Alors, s'il n'y a pas de caméra, c'est tout simplement parce que je crève de chaud. Voilà, donc je pense pas mettre la caméra, ce sera pas un gros live de 3h parce que je suis aussi fatigué. Donc, ça sera un live de 2h30 maximum. Sans caméra, parce que je crève de chaud et je me sentais pas de mettre un t-shirt pour faire le live parce qu'il fait vraiment, vraiment, vraiment très, très chaud. Salut Tonio, comment tu vas? Salut Loulou, comment tu vas aussi? Salut Warlock, salut tout le monde, ça va moi? Oui, je suis en silence, mais je suis là, il n'y a pas de souci, Dolphini. Il n'y a pas de souci. Alors, bien évidemment, c'est un live où il y aura des rediffs, t'entends? Il y aura des rediffs, la rediff sera brute, sera sur ma chaîne YouTube que vous pouvez trouver en dessous du lecteur de la vidéo. Et puis voilà, j'ai chaud, je sais plus quoi dire. Ouais, ça va, merci. Voilà que c'est vrai, c'est l'enfer encore ce soir. Salut Solfini et Loulou, moi ça va bien. Ouais, c'est vrai que c'est l'enfer, c'est vraiment, ça fait vraiment très très chaud. Donc du coup voilà, pas de caméra, désolé. Peut-être que la semaine prochaine il y en aura une de caméra, s'il fait pas trop chaud, bien évidemment. Salut à tous, je fais les pubs et j'arrive Dolphini. Et en silence et Warlocks. Et en double, MDR. Eh oui, Captain. Captain Flamme. Donc je vous retrouve sur le menu pause, parce que j'étais en train de me faire attaquer par un crocodile et que j'avais envie de le défoncer, mais pas de suite, t'entends. Je sais pas si vous vous rappelez la dernière fois, on avait lancé la quête principale et on était allé jusqu'au moment où on était censé se battre avec César dans un char et que le jeu m'a tout simplement niqué ma partie. Voilà, il y a toute une partie qui a sauté. Et on s'était laissé après le discours de César, après le discours de Bayek, qui devait se rendre du coup, je ne sais plus où, atteindre le village, voilà, en fait il doit atteindre le village tout simplement. Dolphini, putain de portable. C'est pas grave Tonio. Coucou Dolphini. Donc, on se retrouve là, on est presque à la fin du jeu. Voilà, en fait j'ai un crocodile qui est bugué là. Hey frère, je suis ici, t'entends? Non? Ah bah tu as été giflé. Bonne journée. Je vais peut-être un petit peu baisser le son. Je vois qu'il n'y a pas que Montel qui fait des siennes. Ah, ben le téléphone. Tu sais, il suffit qu'il enregistre un mot de manière écrit de manière bizarrement. Et après, c'est le bordel quand il écrit. Parce qu'il te corrige tout seul et il fait nimp. Oui, je devrais me remettre sur l'ordi. Ah, parce que tu es sur télé. Mais tu veux quoi, toi? Tiens. Foiré. Fils de lâche. Voilà. Où est le rigolo qui me tire dessus? Ah ben y en a pas. Voilà. Allez, on trace. On trace dans la zone rouge. Du coup, j'espère que vous allez bien, que vous arrivez à survivre à cette chaleur, parce que moi, pour le coup, non, c'est pas le cas. J'y arrive pas. Mais comment se fait-il que Tonio, tu ne sois pas sur l'ordi? Tout savoir et rien payer. Ah là là. Dites-moi si vous voulez vraiment que je remette la caméra. Si vraiment vous vous sentez perturbé qu'il n'y a pas la caméra. C'est pas grave, je souffre, mais on met la caméra. Dites-le moi. Si ça vous dérange ou pas, bien sûr. Mais comment je rentre dans cette arène, moi? Tu veux des piles? Ah, mais c'était là-bas, en fait. Ok. Donc oui, je suis un 5 piles. Salut! Comment ça va? Ah! L'idiot se montre enfin! La flemme, MDR, flemme ou flamme? Tu vas bientôt retrouver tes dieux. Ah, Septimus! Tu es prêt à mourir. Prépare-toi à être jugé, Septimus. Tu seras bientôt dans la droite. Je me mange des torgnoles alors que je suis à 50 km de lui. Tu m'as gonflé!
Arrête de tourner en rond, sombre merde. Est-ce là toute ta furie, Medjay? Ça explique pourquoi ton pays a été vaincu. Garde ton souffle, tu vas goûter à ma furie. Abandonne, je dirais que tu es mort en héros, et non en traître. J'appelle ça une attaque. Heureux, Captain Flamme. Je vais t'arracher le cœur et le donner au crocodile Septimius. Ah, mais... Chien. Ah, il est tombé comme une merde. Captain Flamme, tu n'es pas de notre galaxie. Allez, tiens, vas-y, crève toi. Je t'ai manqué. Arrête, Bayek. Septimius est un Romain. Il sera jugé selon nos lois. Il a tué mon fils. Allez, Warlock, je remets la caméra. Ça vous dérange tant que ça qu'il n'y ait pas la caméra? Comme ça, tu souffrirais avec la canicule. Ah ouais, ça se passe comme ça en fait, les modos. Les modos veulent que je souffre. Hashtag Sadie, quoi, pour demain. C'est tellement ça. Il m'a collé une droite, lui. Et toi, oula. Quand je vais me réveiller, tu vas prendre une nuque. Donc, caméra ou pas caméra? Dolphini est aussi dans le jeu. Je sais pas. J'y sais pas du tout. Bayek a pris une nuque MDR. Comme tu le sais, Warlock, fais à ton aise. Et à te guise. Oui. Genre, je vais faire un... Ne me dis pas... Attendez. Ne me dites pas que le jeu, il va encore me gruger je sais pas quoi. Parce que sinon, ça va m'énerver. Que je vois que le temps de chargement, il met sa vie, là. Pourquoi nous avons œuvré si longtemps est entre nos mains. Nous avons vaincu tous nos ennemis. Moi seul peux mener l'Égypte vers une nouvelle ère de bonheur et de prospérité. Il mouline le chargement. C'est clair. Et il mélange, et je mélange. Tu rajoutes bouillon que plus petit plus au mamami. Scalope. Charger. Moi j'aime bien quand ça va vite charger. Ah là là. Oh je les aime à la milanaise. Mais ça va, je vois qu'il y en a qui connaissent. Nous sommes bannis du palais. Je ne condamne pas le venin dans tes yeux, mais écoute-moi. Parle et fais vite, ou tu te retrouveras du mauvais côté de ma lame.
Nous n'avons plus besoin de tes services. Cléopâtre t'a offert de l'or. Je suis désolé, Aya. Désolé ? Nous lui avons tout donné. Elle nous doit sa couronne. Et elle se tient près de lui. Et où est la justice qu'on nous a promise ? Septimius devait être jugé par Rome. César protège l'ordre ? Ces compromis ont fait de Cléopâtre notre reine. L'homme qui a tué notre fils est maintenant ton allié. Tu comprends qu'on ne reculera devant rien pour le tuer ? César te reproche la mort de Ptolémée. Un pharaon, un dieu, je ne peux rien faire. Je me moque de ce que pense César. C'est avec Cléopâtre que j'ai conclu ce pacte. Laisse-moi du temps. Je vais arranger cela, Aya. D'ici là, je t'en prie, sois prudente. Tout n'est pas tel qu'il le paraît. Traître. Vas-y, il faut lui mettre des nuques à lui. Ça me semble logique. J'aime les mots, mais je ne sais que dire. Cléopâtre a été empoisonné par Rome, et nous par sa traîtrise. Nous brûlerons avec l'Égypte. L'ordre est plus puissant désormais. Il tient Rome. Arrêtez, arrêtez. J'ai eu tort. Je suis responsable. Quand mon fils est mort, j'ai réagi avec rage, avec violence. Et ça n'a fait que les rendre plus forts. Nous sommes tous différents. Et nous avons combattu côte à côte pour que Cléopâtre monte sur le trône. C'était une erreur, mes amis. Mais c'est une erreur qui nous a réunis. Maintenant, nos ennemis triomphants se cachent derrière des couronnes. Ils sont tapis dans l'ombre des rois et des reines. Mais qui se cachera dans l'ombre du peuple ? Nous ! Quelque chose va naître de nos épreuves. Et cela commence aujourd'hui. Nous devons poursuivre le combat et défendre la volonté du peuple. Peu importe sa taille. Notre confrérie est le seul espoir. Et notre royaume n'a pas besoin de couronne. Ce en quoi nous croyons, nous, nos valeurs, notre credo, nous unifiera. Et je promets, au nom de tous les fils d'Égypte, que je serai le père que je n'ai pas été à 6 mois. Pour la confrérie. La confrérie! Tu avais raison. Je me suis fiée à la mauvaise déesse. Mais il reste une chose à régler. Septimius. Il a pris le bâton d'Alexandre. Pourquoi ? Tu as raison. Lavius et lui s'intéressaient au tombeau d'Alexandre. Commençons par là. C'est bon ? Alors, je vais lire les messages, parce qu'il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Elle n'est pas contente, et l'autre, il s'en baillait. Que jeu de mots, hashtag capitaine, non capitaine. À lire avec l'accent marseillais, d'accord. Aya, elle s'en baillait. Non, Aya, non. Aya, elle n'est pas contente, et l'autre, il s'en baillait. Même si c'est Bayek, on s'en fout. Non, jeu de mots avec les persos. Aya et Bayek, je vois même d'ailleurs le père des assassins. Et la mère de tous, elle est où ? Au cœur de la mer, ouais, voilà. On m'a dit capitaine. Tranquille. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, du coup, je sais pas ce que je fais. Toute la question est là. Que fait cet homme ? Soit on continue et on se débarrasse de Septimus une bonne fois pour toutes. Soit on reprend l'annexe. Dites-moi tout. Dites-moi tout. Que voulez-vous voir ? Est-ce que vous voulez voir la dépression du 14? Enfin, je déconne. Ou le désert isolé? Non. L'histoire principale, peut-être?
Soit annexe, soit histoire principale, c'est ça, ouais. Comme tu veux. Merci, Tonio. La fameuse réponse comme tu veux, MDR. Ouais, celle-là, elle revient à tous les lives. Moi je préfère l'histoire principale. Tu préfères l'histoire principale, donc en gros tu voudrais qu'on continue comme poutre Septimus et qu'on fasse Flavius derrière? Ou une fois que j'ai poutré Septimus, on prend l'annexe? Bah, le temps que vous répondez, je reviens. 30 secondes. Cléopâtre pour ce qu'elle a fait. Pense surtout à ce qu'il faut faire maintenant. Que reste-t-il, Bayek? Nous reste-t-il une seule chose? 6 mois. Notre terre, notre pays. Nous devons continuer, Aya. Nous devons trouver le meurtrier de Kémon. Oui. Nous irons jusqu'au bout. Les gardes, devant! Nous allons les massacrer pour prouver nos intentions. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas été ensemble plus de quelques jours. Des jours? Cela passe si vite. Aya, il est difficile, le chemin qu'on a choisi. Seulement si tu comptes en jours plutôt qu'en objectifs, Bayek. Viens, nous devons nous dépêcher. Il y a des gardes. Il y a quelque chose d'étrange dans tout cela. De malfaisant. Ce sont tous des Romains. Des hommes de César? Baby!
vos in consumationem. Personne ne doit nous apercevoir. Vous pensez pouvoir me tuer avec ça ? Apollodorus. Vous n'auriez pas dû venir ici. Nous sommes chez nous. Oh, quelqu'un a... Siwa. Siwa? Bayek, Aya. Votre peuple est en danger. Partez vite! Fais bon voyage, Apollodorus. Vers la maison d'Hadès. Aucun bruit. Même les animaux se taisent. Ah, j'ai l'impression qu'un fléau a frappé le village. C'est cette vipère de Flavius. On aurait dû lui arracher les entrailles il y a longtemps. Il faut qu'on aille à la crypte. Des soldats romains. Ça doit être ceux de Flavius. Wow. Les trous. Et donne mon verre. Bayek, des intrus. Abattez ces intrus! C'était Flavius. Rabia, qu'est-ce qui est arrivé ici? On lui a fait confiance, comme des idiots. Vite, Hebzepha, la grippe. Là, vous m'entendez? Rabia, on reviendra te voir dès qu'on le pourra. J'ai le son de jeu, mais pas t'avoir. C'est normal, c'est parce que j'ai fait mon 5 piles, tu vois, et j'ai pas mis le micro. Oui, j'entends.
C'est normal. Oui, on tente ta, bah c'est normal, les gars. Hein. J'ai remis le micro, c'est tout. Des intrus à l'attaque. Des trous. Ah oui, lol, mais pur quoi. Il est vraiment fatigué. Non, mais vraiment. Et tu fais quoi? Tu bug? Ah oui, tu bug. Tu l'évitais. Au calme. Que se passe-t-il? Bah, en fait, j'ai tout simplement oublié de réactiver le micro. Voilà. Et du coup, je parle dans le vent depuis tout à l'heure. Mais c'est pas grave, tu vois, on apprécie, genre. Je croyais que tu faisais une blague, tu faisais semblant de parler comme je fais moi des fois. Non, non, pas du tout, c'est juste que j'ai fait mon 5 piles. Oui, j'avais entendu ou je n'entends. Ou je ne t'entendais plus. Ah bon? Tu vois hein. Il y en a d'autres de rigolos. Hashtag loulou ou hashtag loumou? Ah, il faut que j'aille où moi? Faut que j'aille là, non? Ah oui, faut que j'aille là. Faut que j'y aille. C'est dangereux par ici. Tu crois? Loumou, encore celui-là. Je vais t'achever. De quoi s'agit-il? Il s'agit de se battre. Ah. Oh, m'a fait peur quoi. Regarde, la crypte. Ils ont peur d'ouvrir la porte. Ils s'enfuient. Attention, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. On doit découvrir ce qui s'est passé. Bayek, est-ce qu'on rêve? Nous sommes entrés dans la droite. Qui aurait pu imaginer un tel spectacle? Nous sommes entrés dans la droite QA. Qu'est-ce que tu racontes, frère? Qui a créé ceci? Les dieux eux-mêmes? C'est toute l'histoire de l'humanité. Bayek. Bayek. Ebzefa. Oh, mon Seigneur. Ta vie a pris fin dans la poussière du désert. On est rentré dans un doigt. Voilà. Non, pas Ebzefa. Mais que racontes-tu, Tonio? Non. On ne peut pas le laisser ici. Il mérite de vrais atouts. La raison m'a quitté. Je suis avec toi. Acquittage? Elle t'a quitté acquittage ou quoi? C'était nul. Il n'y avait aucune raison de le tuer. Flavius lui a arraché le cœur pour m'adresser. Comment il monte les escaliers, mais... Là, vous avez vu comment il monte les escaliers, Bayek, il a le tif. Nous devons en finir. Et il est vénère de ouf. Monte les escaliers en mode... Ça, c'est plus pour Captain, qui t'aige. Pas qui t'aige, non. Tu as trouvé ce pauvre... D'ailleurs, bah, il est en colère, mais bah, ça, genre, quand tu fais, je sais pas, genre, imagine, tu as des escaliers en face de toi. Tu es en colère, tu montes les escaliers comme ça. Les chefs romains sont venus à la crypte du temple. Septimius et Flavius. Les objets qu'ils portaient l'ont ouverte comme l'aurait fait la main d'un dieu.
Ebzefa a tenté de les arrêter, mais ils ont fait de lui la première. Ils sont entrés dans la crypte. On aurait dit qu'un feu bleu en sortait. J'ai fui, mais en vain. Tous les habitants ont perdu la raison. Ils sont tombés comme des poupées. Ils ont détruit Siwa. Ils doivent mourir. Vous devez mettre fin à tout ça. Bayek, Aya, les prières de tous les habitants du village vous accompagnent. Occupons-nous d'abord d'Ebzefa. Ensuite, nous rendrons la justice. Because I'm Batman. I'm Bayek. Les protecteurs de Siwa, Aya et Bayek. Ah, son cas glisse ailleurs. K égale esprit. MDR, sa force de K a été volée. Ah bon? MDR Batman. Il est partout. Il est avec nous. Parce que c'est lui. Laissez passer les embaumeurs. Prions pour qu'Anubis accepte cet ornement à la place de son cœur. Prions pour qu'Ebzefa puisse arpenter les champs de roseaux. Ebzefa, mon vieil ami. Anubis, numéro 10, itinéris. On peut aller loin comme ça. Ebzefa aurait voulu que tu aies ceci. C'est l'arme qu'il préférait entre toutes. Je suis honoré. Anubis, t'attends. QA. Et là, on a l'épée d'Ebzefa. Je pense que tout le monde sait ce que c'est l'épée d'Ebzefa. Si vous savez pas, dites-moi, je vous montre. Il n'y a aucun souci avec ça. Tonio Dou. Terre Tonio. Des villageois ont capturé un soldat romain et l'ont interrogé. Flavius est parti pour Cyrène et Septimius pour Alexandrie. Je vais tuer Flavius. L'épée d'Ebzefa en feu ? Ouais. Il y a une ferme à la frontière à Cyrène. Quelqu'un aura peut-être vu passer. Moi je l'aime bien. De mon côté, je vais arracher. Tu aimes bien l'épée d'Ebzefa ? Parce qu'apparemment, dans cette chose, il peut y avoir une bis. Nous devrions peut-être l'accepter. Numéro bis. Numéro je ne veux pas abandonner, mais... Chaque fois que je pense à toi, je pense à Kemo. Et à tout ce qu'on a perdu. Moi aussi. Alors pour le moment, nous tuerons. Adieu, Aya. Non, pas Tonio Dou. Total insane. Ah, il faut que j'aille où, moi? Il faut que je gifle le kiff. Vu, ça a dû passer près. J'ai une ferme en Cyrénaïque. Pousse-toi. J'ai pas le temps, frère. La pesée finale. Donc ça, c'est la mission finale. Enfin, la mission finale, oui, je crois que c'est ça, c'est la mission finale. Sauf que moi, je vais pas faire la mission finale. Non, on n'aime pas l'épée de Ebzefa. Il a mis le feu à un PNJ. Oh, le mec. Mais non, j'ai pas mis le feu à un PNJ. Mais qu'est-ce que vous racontez ce soir? Ça, c'est la fin du jeu. D'accord, Flavius a dû passer près d'une ferme en Cyrénaïque, d'accord, ok. Sauf que moi, je vais peut-être pas la faire maintenant. Ou alors, je fais maintenant. Et une fois qu'on a fini l'histoire, ben on repart sur l'annexe. Allez, on va peut-être faire ça. Mais du coup, c'est une région que je ne connais absolument pas. Mais d'abord, il faut sécher la barbe, non? C'est pas la barbe que je sèche, c'est mon front. La barbe, tu vois, genre si je sors, il y a rien qui sort. Elle est sèche. Après, ça dépend de quelle barbe tu parles. Est-ce que tu parles de la mienne ou est-ce que tu parles de celle de Bayek? Enfin, de Caris, enfin, Caprice, Bayek. Tu m'as compris. It's totally spies. Tu vois.
Mais ils sont combien, Caprice, Bayek, Harris, Warlock? Je sais pas, 30 000. Genre, bah, t'as Bayek, tu vois, c'est un Harris. T'as Franklin, c'est un Harris. Ou des Caprices, tu vois, c'est pareil. Hein. C'est la même chose en fait, Harris, Caprice. Allez, on monte, petit. J'ai dit on monte, j'ai pas dit on redescend. Donc tu restes tranquille, tu gardes la pêche, tu n'avales pas le noyau, et tu montes. Sinon, je vais devoir mettre des nuques. J'ai beaucoup de pêche, Bayek. Non, il y a, tu vois, il y aurait des sessions de jeu, tu vois, il mange rien, genre il est calme, tu vois, il est obéissant, on va dire. Mais il y a des sessions de jeu, tu vois, genre s'il pouvait manger des pêches, il mangerait. Comme la semaine dernière. La semaine dernière, c'est Ubisoft qui a mangé des pêches, tu vois. Genre. Vu qu'ils sont pas foutus de développer des jeux, tu vois. Et on fait quoi, frère? On monte plus? Parce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, gros? Ah non, mais on va aller dans les régions chiantes là. Non, ils les développent et ils les finissent pas. Ils le vendent dans l'état et après tu te retrouves avec des mises à jour de correction de bugs, tu sais, des patchs de correction de bugs qui font 90 JO au calme. Est-ce que c'est une bonne idée ce que je fais? Oui, Captain Atuji. Ah bah oui. Hein. C'est le travail façon Ubisoft en fait. Oui, comme une voiture d'occasion, non, l'État achète ma... achète... Oh, on va rien dire, hein. La désynchro dans le silence total en plus, ouais. Ubisoft. C'était un suicide. Ouais, je crois que Bayek en avait marre de la vie. Mais pourquoi? Que fait-il? Ben, je sais pas, genre... J'ai absolument pas appuyé pour qu'il saute et monsieur a décidé de sauter. En sautant, il a crié oui. Genre il a voulu faire le tu vois le média est un peu trop balèze et énervé sur 20, tu vois, genre il s'est viandé. Il s'est pété les chevilles, t'entends? Oui, il a chanté Libéré, délivré. Je pense pas que ça fonctionne dans un désert, Libéré, délivré. En plus, il a insisté, il a sauté deux fois. Ouais, bah. Moi, j'ai pensé que le joystick, tu vois, tranquille. Et lui, il a dit nope, allez, je fais des sauts. Nouvelle région découverte, Libu. Sauf que nous, on va pas au Libu. On va en Cyrénaïque. Ah, il voulait être sûr de pas se rater MDR, c'est ça. Tu vas là-bas en Libu? Libulule? Eh ben je vois que vous êtes en forme ce soir. Hein. Ça a quelque chose.
Voilà. La forme de la chaleur, oui, on l'a. Bah, tu m'étonnes. Moi, j'en peux plus. Là, bah, après, on nous dit vive l'été, quoi. Tu vois, genre, les gens, il y a des gens en hiver, ils me disent ouais, mais l'été, franchement, il fait meilleur et tout. Oui. Bon, honnêtement, l'été, c'est une saison que je ne supporte pas. Je peux avancer encore? C'est bon, cousin. Allez, on continue. Qui t'a dit ça, Warlock? Soit des gens que je connais, vite fait, comme ça. Alors qu'en vrai, la meilleure saison pour moi, c'est le printemps. Tu vois, il fait ni trop chaud ni trop froid, c'est juste le milieu. Tu veux pas dénoncer, hein? Ah, mais c'est des gens que je connais comme ça, vite fait, avec qui je parle comme ça et tout. C'est, on va dire que c'est pas des gens que je côtoie tous les jours, hein, qui m'ont dit ça. C'est bon, elle est arrivée à une sirénaïque. Oh, rigolo, laissez-moi tranquille. L'annexe, c'est après, c'est pas pour de suite. D'ailleurs, on a tellement de choses à faire en annexe, c'est affolant. Une région de prairies et de champs, piétinée par l'occupation romaine. Alors... Allez, va t'occuper de Flavius. Oh, c'est pas de suite, Flavius, me semble. Il y a encore un petit temps, je crois. Ah, ok, d'accord. Par mon serment sacré, pardonne-moi. Ah oui, Praxilla. Eh oui. D'abord, on a tout un bordel à faire avec Praxilla, d'abord. Attends, je ne suis pas ton ennemi. Je l'avais oublié, elle. Mais comment tu peux l'oublier? Une fois, il m'a demandé de soigner un chien blessé qu'il avait pris dans un collet. Pourquoi a-t-il fait ça? J'ai déjà vu ça, à Siwa. Je cherche le mangeur d'âme qui est responsable, Flavius. Le proconsul? Cette charogne sans âme a tué mon fils, rasé mon village, et aujourd'hui, il parcourt ta région dans la lumière dorée. Bien. On va fouiller la ferme, chercher des survivants. Je suis Bayek de Siwa. Praxilla, de cette région devenue folle. Pourquoi est-ce que Flavius fait ça? Ce ne sont que... Je t'écoute pas, je m'en fous, madame. Ah, Praxilla me fait penser au prénom Priscilla. Ouais. Comme elle a des spawns derrière d'un compte derrière, oui, j'ai pas le temps. Mais oui, Mary Crater, oui, Crater, Crater d'Avignon, Crater de ce que tu veux. Salut! J'ai pas le temps pour être discret, tu vois. Ah, mais merde, lui, là. Hein.
Il y a un duplex. Allez, wesh. Tiens, mange. Ou alors signe rage sur une gare alors qu'il te demande si tu veux un duplex. Et je m'en fous de son duplex, de toute façon c'est trop cher. Un magnifique T2 en duplex avec Yann. Avec qui? Yann Barthès? Yann Barthès, pas Barthès. Nebet, tu n'es pas blessé? Que s'est-il passé? Des capes rouges et cette vermine à la tête de lion. Ils ont emmené Yann Yannick. Tous ceux en état de travail. Ah, moi j'aurais dit Yann Barthès. Mon fils cadet. Puis, il est arrivé. Comme il a bousculé la pauvre dame âgée, Aya. J'ai voulu lui jeter des pierres. J'ai pas le temps, t'entends. Une chose brillante, dorée entre ses griffes. Il l'a brandi en croissant alors qu'il mourait. Certains de leurs propres mains, d'autres des mains de leurs proches. Un acte contre nature. Tout le monde pleurait, hurlait, courait, mourait. Et tu t'es enfui. Personne ne fait attention à une vieille aux yeux voilés comme Lunette. Je les ai vus et je n'ai pas crié. Je me suis mordu la langue jusqu'au sang. Les hommes qui ont fait ça, nous les retrouverons. Fais vite, ma fille. Le corbeau a volé vers le nord, là où vit la chasseresse. J'ai entendu les capes rouges. Ramène-moi, cadet. J'essaierai. Flavius m'a aussi volé mon fils. Yannick Noah. Aïe, ils sont Bayek. Non, MDR, Captain. C'est un jeu de mots, petits oignons. Mais tu veux des petits oignons? Yannick Noah, il y a plusieurs sens là, c'est scandaleux. Tellement. Pour ton fils. C'est un scandale. Pierre. Pour et alors fils. Je suis sûr qu'il doit beaucoup te manquer. À chaque heure, de jour comme de nuit. Vous finirez par vous retrouver au champ de roseaux. Je l'espère. C'est une sandale. T'as parlé de l'endroit de la chasseresse. Oui, à Cyrène. Là où ont été posées les premières pierres de la conquête romaine. C'est au nord d'ici. Si Flavius y est, je le trouverai et je détruirai chaque chose. Je vais te bannir avec une nuque. Porte quoi? Lorsque tu arriveras à Cyrène, va trouver mon ami Dioclès. Je lui confierai ma vie, ainsi que la tienne. Il est magistrat. Il entend les requêtes à l'Agora. Donne-lui ceci. J'espère que ça guérira la folie de ces terres. Je prierai pour que tu obtiennes justice, Bayek. MDR, tu peux pas en plus. Ouais, en plus, je crois que tu as fait des tests déjà, tu peux pas. La citadelle a été ma main va traverser ton écran, t'entends. Des rumeurs circulent selon il va te péter les chevilles, t'entends. Flavius se prépare à la guerre. Contre l'Égypte. Oui, tu doutes de leurs ambitions? Non. Je suis le seul qui peut c'est les le nouveau tactile. Je vais la conduire à mon hospice de Balagrae, au sud du temple d'Asclépios. Même si cet endroit a déjà connu son lot de souffrance. Je t'y retrouverai si je peux. Ah, parce qu'en plus il faut faire des quêtes annexes. Sérieusement? Je peux pas genre juste bah Yakaya se rendra à Siwa sur les traces de Flavius et de la relique de l'oracle. Il faut que je... Non, c'est pas celui-là que je veux descendre, c'est ce... Bah tout m'apprend pour un con. Non. Non plus. Mais comment je descends, moi? Je veux savoir ce qu'il faut que je fasse. Faut juste que je trouve Flavius. Oui, c'est révolutionnaire comme tactile. En tactique. On va s'occuper de Flavius, on va pas faire les quêtes annexes. Quêtes annexes, on reviendra plus tard dessus. On va pas s'emmerder la vie.
Enfin, si c'est possible, hein, bien sûr. Parce que si je suis obligé de me taper les quêtes annexes, on les fera, mais... Le cheval, viens ici. Le cheval, c'est vraiment ingénieux, là. Allez, YOLO. Voilà. Fais des sauts bizarres, si tu veux. C'est la nuque de la révolution. De la révolution. On s'en fout. En vrai, j'ai fait Favius. Je ferai les quêtes annexes après. MP Warlock, s'il te plaît. Ok, bah on va peut-être faire une petite pause. Alors de suite maintenant, de suite maintenant, ça vous va? Oui, comme une fusion dans DBS ou DBZ. Merci Warlocks. De rien. Donc on va faire la petite pause maintenant. Ça, moi, ça me permet d'aller boire aussi, parce que j'en peux plus, je suis mort. Petite pause de 5 minutes, je coupe caméra micro, voilà, tranquillement. Et puis on reprend après, et puis on verra si on fait une autre pause, on verra aussi ça. Voilà. Donc, je coupe caméra micro, et je vous dis à dans 5 minutes. A tout de suite. Il fait chaud. 5 minutes de pause glace? Allez! Allez, à tout de suite. La pause est maintenant terminée. Je sais pas si on en refera une autre ou pas. Ça dépend de vous aussi. Ça ne dépend pas que de moi. Pause de 5 minutes. Pause de glace, je l'ai vu. La pause qui reste de glace. MDR, il se fait attaquer. Tant que c'est pas une pause en marbre. Voilà, que ça va-t-il revenir un jour? Bonne question, Captain. Il est allé prendre une douche froide. MDR, tu m'étonnes. Avec des glaçons. Ouais, Jeffrey. Laissez Soprano, il est. Au bar sans aucun doute. Il est de retour, hein. Attention, il a repris. Coucou Warlocks, coucou. Il est chaud. Je me fais attaquer par quoi moi là? Viens ici. Mais où tu vas? Tiens. C'est les régions de niveau combien? Parce que tu vois, moi je me balade tranquille et tout, mais... Oh, 34-38, ça va. Donc écoute, comment était la douche? J'ai pas pris de douche. J'ai juste mangé une glace. Un sorbet. Chiba, game d'air. Forcément, le cheval, c'est un inculé. Hein. Autant pour jeu, ou autant pour nous, ou autant pour c'est nous. À toi de voir. Un inculé. Un inculé qui est armé de culasses. Un jour, la technologie nous permettra de faire des lives sous l'eau. Oh la violence. Ah. Je veux atteindre Flavius. Est-ce que cela est-il possible ou est-ce qu'il faut que je laisse ce cheval? Allez.
Oh, fabrication possible. C'est la première fois de ma vie que je finis le jeu sans avoir tout à fond. Raoul a laissé place au toutou. Raoul, à mon avis, doit être en train de faire un coma tellement qu'il fait chaud. C'est un Raouf MDR. Écoutez, je ne sais pas. MDR, c'est un ouf. Cul, hein. Eh hey, mais c'est quoi ce jeu où tout le monde est vénère de ouf? Je sais pas pourquoi. Ancienne expression. Ressorti des annales, mais à chaque fois que tu joues, alors que c'est le bordel, MDR, je te fais attaquer 30 secondes, mais ouais, je fais que marcher, bordel. Enfin, marcher et courir, voilà quoi. Foutez-moi la paix un peu. Sinon, je vais rentrer dans le jeu, je vais prendre le contrôle de Bayek et je vais mettre des nuques à tout le monde. Ouais, c'est pas possible. Ah merde. Il a tué le bordel, même pas qu'il a en Espagne, je vous le dis. Cul, ah, qu'est-ce que je vais foutre en Espagne dans un bordel? M'explique. Mais t'as pas déjà le contrôle de Bayek? Ouais, mais je peux pas mettre des nuques avec, tu vois. Je peux juste mettre des coups d'épée, des coups de bouclier. J'ai même pas fait tous les filacs en plus. Tonio do ou Tonio do? Tonio de là. De où? De là-haut? Des animés? Sirène. Sirène de police ou sirène de pompier? C'était nul. Ou si tu préfères, Tonio Judou. Ah bon? Bah allez, il est où le rigolo alors? Tonio du doigt. Tonio de la droite plutôt. Moi j'aurais dit. Oh non, MDR, elle est pas mal et facile. J'aime bien Sirène. Et toi, donne-moi des infos. Dépêche-toi. Je veux mettre une nuque à Flavius. Il est revenu de Balagrae complètement enragé. Il a exigé mes impôts de toute l'année. Quand j'ai refusé, ils ont brûlé ma ferme. Tu es sûr qu'il s'agissait des hommes de Léandre? Et ma femme disait qu'il ne fallait pas lui résister. Oh, je déteste quand elle a raison. Léandre verra. Tu as ma parole. Ta parole, Dioclès? Qui va ensemencer mes champs? Qui va redonner vie à mes chèvres?
J'en ai assez de ce pays, et de toi aussi. Votre parole. Et toi, de quoi notre vénéré magistrat t'a-t-il escroqué, Égyptien ? Praxila dit que tu peux m'aider. Je m'appelle Bayek. Des pompiers, Captain ? Non, la petite. La petite sirène ? Oh, mais ça fait des jeux de mots. Même avec la chaleur ? Qu'est-ce qui se passe ? Temps de chargement. Voudrais-tu bien te dépêcher, s'il te plaît ? Comment va-t-elle ? Aussi bien que possible, compte tenu des crimes de Flavius. Je suis la piste sanglante de ce chien depuis 6 mois. Les rumeurs sont fondées ? Oui. Comme ces préparatifs de guerre. Un oppresseur de plus. L'Égypte ne retrouvera jamais la paix. Les invasions se succèdent. Flavius fera de l'Égypte un vaste tombeau. Il gouverne depuis l'Acropole. Mais l'endroit grouille de Romains. Je prie pour que là, par contre, la Reine des Neiges, je l'inviterai bien chez moi. Tu rigoles, elle ferait de la neige et de la glace, et tout qu'il faudra en deux. Tellement qu'il fait chaud. Reviens me voir, si tu veux aider la cause de Sirène. Merci, Dioclès. Il est temps que mon fils rejoigne. Mais c'est des jeux de mots de canicule. Il quoi ? Il e-forme. Lentement. Et on met du temps à les comprendre. Elle va fondre, MDR. Il se forme, d'accord, ok, il se forme. Flavius, il est dans l'acropole. Idiotémique. Alors, dis-moi où est Flavius, que j'ai eu pas besoin de credo ni d'endoctrinement. Nous ne rôdons pas dans l'ombre. Je vais me caler au congélateur, il me reste plus que ça. C'est clair. Imagine un jour, je vous fais un live, je suis calé dans un frigo. En plein été, une chambre froide. Poussez-vous. Ah ouais, faudrait que j'investisse dans une chambre. MTR live spécial frigo. C'est tellement ça. Pousse-toi. Monte-toi. Dépêche-toi. Sinon, je vais rentrer dans le jeu, je vais mettre une nuque. Donc, en plus, pour démonter la gueule de Flavius, on va dans une zone rouge. Un fort de niveau 3. Fort sympathique. Étant donné que j'ai pas la patience de faire un fort parce que j'ai chaud. Ouais, je fais mon chien. Ouais. Il faut quand même que je me tape le fort. Ok. Après, ça serait calé. Après, si tu manges en live. Et tout dans le frigo. Mais il est vénère, Warlock. Vas-y. Ouais, j'avoue, tu mangerais dans le frigo. Tu tiens, sauf tu veux de l'eau fraîche. Tu prends de l'eau fraîche sur le côté de toi, tu bois. Tu poses, tu reprends ta manette et tu joues. D'ailleurs, le rêve de Tonio, vivre dans un frigo. Et vivre dans un frigo. Le chat part en live, mais il est toujours parti en live. Vu qu'on est en direct. Allez! Quoi? Mais je vais devoir me faire tout ça. Oh, la flemme de la canicule. De la zone rouge en plein soleil en plus.
En vrai, Origins, il faut y jouer en hiver. Et Horizon Zero Dawn, il faut y jouer en été. Là, c'est plutôt la flemme de l'assassinat. Tellement. Et Odyssey, tu joues jamais, genre, aucune saison. En plus, je suis à peine niveau 37. Je sais même pas Flavius quel niveau il va être. Je sais même pas si j'ai le niveau pour faire ça. Parce que d'habitude, moi j'arrive ici, tu vois, je suis déjà niveau 50. T'entends. C'est comme Rise, jamais. Ouais, voilà, c'est ça. Putain, en plus, il y a des flammes quoi. C'est tout? J'ai vu tout le monde? Ah bah Flavius il est niveau 35. Ah bah ça va. Alors j'ai perdu mon Bayek. Où est-il? Où est mon Bayek? Ah il est là-bas. D'ailleurs j'ai perdu mon Bayek. C'est pour éviter qu'il y ait un temps de chargement. Voilà. Du coup, toi là, tu fais le rigolo, tu m'as vu, tout ça et tout, tranquille, t'entends, ouzo. Viens ici, allez. Allez. Eh oui, disparaît vite. Allez, tiens, mange. Surtout avec Rise en plein été, tu prends des coups de chaud. Oui, Bayek. Des coups de nerf, oui, Tonio MDR. Ouais, même des coups de chaud. Et allez, hop, dans la nuque. Nuque tout le monde en méfiez-vous. Tout à fait. Hashtag le soleil m'a tapé dans la tête. Hashtag il fait trop chaud, j'en ai marre de l'été. Hashtag team winter. Ne vénère route? Tu vénères les routes? Qu'est-ce que tu dis toi? Hashtag Tim, il est où le froid? Au congèle, au frigo. Mais oui, allez, ramène-toi, que je te mette une nuque. Allez, give me ma mail. Je vous nuque. J'ai même pas la force de faire la voix en fait. Tellement que j'ai chaud. Mais je vois le délire. Je vous nuque. Auxilium. Allez, ouais, tu crois quoi? Que j'ai toute ma vie à faire sur ton attente là ou quoi? Allez, ouais, je campe pas la MDR. Là, il fait du moonwalk le truc.
déserte et caput-toi. Qu'est-ce qu'il dit, Nili Fratel? QA? Je m'en rappelle même plus. Je l'ai entendu aussi, hein, mais je... Genre, tu m'as vu derrière un toit. Capoue-toi, un pierre. Ah, il y en a un qui est quand même niveau 38. Hein. Faut que je me méfie. J'ai pas équipé mes trucs, moi. Mes trucs, tu vois, que j'aime bien, là. Si? Ah non, c'est les fléchettes soporifiques. Non, je veux les fléchettes empoisonnées. Où est-ce que c'est? Elles me feront toujours kiffer, ces PNG. Ah bah, le truc, c'est qu'on a pas fini de les entendre. Hein. En plus. Tu veux bien mourir? Non, tu remontes, tu descends, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, tu es perdu dans ta vie. J'aimerais au moins me faire Flavius, là, dans ce live. Non, mais ils sont magiques, ces PNJ avec la réplique. Ah ouais, totalement, oui. Je suis totalement d'accord avec toi. Non, j'aimerais au moins me faire Flavius, parce que je pense pas que je vais réussir à tenir. Voilà, il est mort. Pour 3 heures de live, honnêtement. Parce que sinon après je vais finir chez les fous. Grimmer. Mais vous êtes fous. MDR rimeur de rue. Il était totalement bien caché sur 20. C'est quoi, Okisco bonhomme? C'est quoi, c'est encore une réplique qu'ils ont sortie que j'ai pas entendu? C'est fort possible, hein. C'est vrai que de voir le soleil dans le jeu avec la chaleur réelle, ça donne encore plus chaud. Et tu veux des piles? Allez hop, dans la nuque. Mais il n'y a pas des flèches quelque part, hein. Je veux des flèches. On va mettre deux piles au soleil. Eh oui. Ah si, il y a les flèches. Donnez-moi les flèches.
Il fait chaud, c'est gonflant. Ah là là, les zones rouges. Oh la belle tête. Mais ouais, mais il est pas mort. C'est pas logique. Ah, ça rappelle les têtes inutiles de JCA pour devant quoi. Le gars, tu lui mets une flèche en pleine tête, il prend la flèche de la tête, il fait ça. Comme si genre il avait mangé juste une droite. Et après il continue à courir. Putain, mais c'est pas vrai ça. Consommazione. En plus, il y a plusieurs flammes ici, si je me rappelle bien. Ouais, j'en ai déjà démonté deux, je crois. Ouais, il y en a deux, je crois. Ben, j'ai fait les deux, je crois, alors, si c'est le cas. Tu veux pas prendre feu, monsieur? Ce serait fort sympathique de ta part. Non. Vous connaissez la Brennance ou pas? Théoriquement, je suis pas obligé de tous me les faire là. Oui, c'était finement joué. La brillance de Schwarzkopf. Cul, hein. Qu'est-ce que ça fait me foutre là, ça? C'est pour prendre soin de soi? Avec Garnier? MDR, jeu de mots pourri de soirée de canicule. Ah, tout est excusable par la canicule en fait, c'est ça que tu veux dire. Eh
La canicule à bandeau, hein, MTR, oui, exactement. Oui, elle est sur le dos de tout le monde. Et en plus, ça se permet de faire des jeux de mots. Ah, je l'ai quand même eu. Ah, ok. Ben quoi, après tout, qu'est-ce qu'on cuit? Ben des œufs. Le gars, je l'ai envoyé une fléchette empoisonnée, il est toujours pas mort quoi. Alors, tiens, mais crève, frère. Allez. Captain est en forme. Ouais, ça dépogne. Mais monte, Bayek. Elle est en forme de canicule ou en forme tout court? Et on fait un petit tour de manège autour du pilier. Et oui, parce que Bayek, il est bon pour ça. En plus, il fait ça en temps record. Bon, est-ce que vous êtes tous morts? On appelle le 18. J'aimerais avoir la forme d'un glaçon, mais bon, ah ben, tu fondras en deux. Il te reste rien en vie, t'es sérieux, frère? Allez, tu vas gonfler. Est-ce qu'il y a encore des rigolos dans le coin? Oui, il reste toi. Reste par terre, t'entends? Bon, du coup, on va pouvoir se faire Flavius. Allez, c'est parti. Depuis ma terre natale. Maintenant, prépare-toi à payer pour la mort de mon fils. Non, Égyptien, prépare-toi à te prosterner devant Dieu. Tu as tué mon fils, mes amis. Pourquoi tu ne m'as pas tué quand tu en avais l'occasion? Tu as pu rejoindre l'or. Tu as besoin de... Ce sont que des illusions. Mais tu as choisi. Thank you.
de mon fils qui se tape dans un temps. Ton ami Medjay Zephar était têtu. Ah, tu es sérieux, frère? Tu vas bientôt quitter ce monde, Flavius. Ton esprit finira bien, comme celui des autres. Ah, du coup, qu'est-ce que vous avez dit? Donc, Mseller, Flavius. C'était un enfant. Ah, lui aussi, Flavius, il se prend pour Dieu. Mon enfant. Normal, il peut pas se prendre pour prophète. Je ne regrette pas. Tu n'auras jamais la peine. Il y a un niveau en dessous. Pour Ben Hélène, on est à chaque moment. Taisez-vous. GG, voilà, tu vas jouer. C'était rapide, MDR. Merci. Je tenais Rome. Elle m'a apporté un empire. 1000 fils, tous plus grands, les uns que les autres. Ah, allez! Achève-moi, sale lâche! Tu perds du temps! Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas! Alors je reviens de petites minutes. Ah mais je peux pas faire ça en fait pendant la cinématique. Non. Je vais te perdre à jamais. Pas à jamais. Je t'attendrai dans les champs de roseaux. Eh oui, il va vite. Il va très vite. MDR. Et il me reste que Septimus. Alors on va voir ce qui se passe vite fait et après je reviens dans quelques petites secondes. Je reviens dans quelques petites secondes. Il ne doit jamais être retrouvé. Aya doit savoir que le cas de notre enfant a trouvé. Voilà, désolé. Belle cinématique d'ailleurs, leur fils est enfin vengé. Oui, oui. Ouais, c'est vrai que c'est une très belle cinématique. Maintenant on va se casser, tu vois. Tranquillement. Hop, on va récupérer ça. L'annexe, on s'en occupera plus tard. On va pas s'occuper de ça de suite. Le retour de Warlock Ciné. Eh oui. Pourquoi je m'emmerde? Ah ouais, non, mais c'est vrai que je suis obligé de m'emmerder la vie comme ça. Pourquoi je m'emmerde? Pourquoi je me téléporte pas? Mais je crois que la téléportation elle est bloquée, non? Quand on est dans la zone rouge, dans ce jeu. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout est nickel? Est-ce que j'ai encore oublié de mettre le micro? Est-ce que tout se passe bien? Parce qu'il me semble que je vais mourir, voilà. Parce qu'il me semble que je suis pas bien dans le live, tu vois. Oui, il me semble, oui, tout est ok. Derrière la désynchro, ouais, on est à la fin du jeu, c'est bon, maintenant on peut se permettre. Oui, tout est bon encore, un suicide. À la fin du jeu, tu vois, le perso, il a tout donné. Ah ben tant mieux, ça m'a mis dehors. Allez hop, ça dégage. Alexandrie. Faudrait que j'écoute cette rediff de... Faudrait que je réécoute la rediff parce que je suis sûr que j'ai fait n'importe quoi en fait.
Bah, live de canicule, elle me dit ouais, mais c'est relou, c'est la canicule. Prise de tête pour que dalle. Tu crèves de chaud, tu sais pas pourquoi. Enfin, de toute façon, je l'ai toujours dit, j'ai toujours détesté l'été, moi. C'est une saison de merde, à mes yeux. Plus vite le chargement, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Merci. Bah, elle est où cette gourdasse? Le dernier des Medjay, allez hop. Et je viens de m'essuyer le front, je suis encore obligé de le refaire. Tout est normal. C'est où? C'est là-bas. Il va vite et il va très vite. Ah, j'aime l'été. Enfin, les étés normales. Moi, je déteste ça. C'est une saison de merde. Je préfère le printemps. Il fait ni trop chaud ni trop froid. C'est parfait. L'été sans canicule, c'est cool. Non. C'est une torture. Avec ou sans canicule, c'est une torture. Parce que plus on avance, plus les étés ils sont chauds. Enfin, ça dépend des années, bien sûr. Pourquoi est-ce que tu es monté? Allez, on veut gifler Septimius. Oui, idiotim, c'est toi l'idiotim. Voilà. Chargement. Bayek. Ça fait si longtemps. Flavius est mort. J'ai affronté l'horreur pour arracher notre fils à la droite. Kemu est en paix. Puisse-t-il arpenter les champs d'Onzo. Je vais à Rome. Rome. Aya, tu ne vois donc pas la folie de tes ambitions. J'ai fait des erreurs. Tu en as fait aussi. Aya. Tu gaspilles ton énergie. Ah. Tu es le célèbre Medjay. Phanos ne cesse de parler de tes exploits. J'ai formé un groupe. Voici Brutus et Cassius. Ce sont nos frères romains. Nous allons abattre ces chiens à l'autre bout de la mer. Septimius et César. L'ordre n'est plus seulement le souci de l'Égypte. Cléopâtre règne toujours. Personne ne règne sur l'Égypte. Elle est soumise aux caprices de plusieurs tyrans. Notre reine nous a abandonnés pour Rome. Rien n'a changé ici. Memphis est sous l'emprise de l'ordre. Aya, tu dois agir. Brutus et Cassius, c'est comme le mythe de la fondation de Rome. Moi perso, j'en ai aucune idée. Allez voir Aya en Alexandrie. Aya. Allez, YOLO. Cette maudite sphère doit rester cachée à jamais. Elle a causé trop de malheur. Les deux frères élevés par une louve. Ça me dit toujours rien. Tapis. Tu sens qu'il y a la canicule au milieu. Hein. Oh,
Ah, allez, il y a toujours un mur au milieu. Fous-moi la paix, laisse-moi avancer. Non, je vais m'énerver. Idioti. Et ouais, mais dans je sais pas si vous avez remarqué dans mes lives sur Origins, ils ont pas arrêté de le dire. MDR, le mur invisible. Ils ont pas arrêté de dire idioti, idioti toutes les 30 secondes. Victoire s'accumule et notre lien se délite. Nous sommes destinés à nous quitter. Tout nous dit que notre amour est impossible. Tu avais raison. Nous luttons pour quelque chose de plus grand. Mais notre amour vit dans la droite. Sauf qu'il nous faut l'abandonner. Laisse les dieux en décider. Les dieux sont morts. Oublier nos vies pour le bien commun. Toute cette souffrance avait un sens. J'ai eu tort, nous n'aurions pas dû tuer en public. Nous devons œuvrer dans l'ombre. L'Égypte est à terre. La Grèce aussi. Rome tombera à son tour. Tous tomberont devant le credo, mais personne ne le saura. Quand nous assassinerons, nous ne frapperons que ceux qui le méritent. Les quelques esprits malades qui veulent nous contrôler. Mais ils ne sauront jamais qui nous sommes. Froid, calculateur, des poètes de l'amour. Je suis d'accord, Aya. Je ne suis plus un père. Je ne suis plus un mari. Ni même un Béja, je suis. Celui qu'on ne voit pas. Oui. Nous sommes ceux qu'on ne voit pas. Nous aiguisons nos lames pour attiser l'espoir de ce monde en ruine. Bayek, Bayek de Sion. Au nouveau credo. Le nôtre n'est plus. Ah, ça c'est de la cinématique épique, bordel. Maintenant on va aller poutrer la gueule de Septimus. Ah non, pas toi, tu manges une flèche dans le genou, tu meurs, frère. Sérieux. Allez, comme tu es une 5 piles, je te fais l'honneur de tourner en rond comme un 5 piles. Ami petit, j'aurais dû t'écouter. Ami petit. Ces mots ne seront pas tes derniers. Plus tard, vous êtes qui ? William Miles, ça te dit quelque chose ? L'assassin ?
Donc tu le connais? Nous, les assassins, nous t'avons observé. Il est inhabituel pour un employé d'Absterco de s'intéresser à une révolution. Là, vous n'avez pas tort. Nous avons suivi ton travail sur l'Animus. Étonnant ce que Diana et toi avez accompli. Dis. Ils t'ont menti. Sophia Rikin t'a fait tellement de promesses. Ça suffit! Je refuse de parler d'elle. Oui. Nous aurons des tas d'autres sujets à aborder ici, Alexandrie. Si vous croyez que je vais venir avec vous... Eh bien, voyons tes autres options. Tu peux venir avec moi, ou rester ici pour jouer la danse de la mort encore et encore jusqu'à ce que tu commettes une erreur. Il te suffit d'en faire une seule. Tu ne peux pas revenir à ton ancienne vie, Leila. Je n'y comptais pas. Mais tu pourrais enfin travailler sur le projet Animus. Notre version, bien sûr. Et avec nous, tu seras toujours libre de faire les choses comme tu l'entends. Bien. Je suis partante. Ce qui ne veut pas dire que je rejoins votre camp. Je comprends. Ok. Bon, on va y retourner. Oui, je veux y aller. Je vais mettre une gifle de forêt à Septimus. Une bonne fois pour toutes. Sachant qu'après, on a quasiment toute l'annexe à faire avant de commencer les DLC d'Origins. Je me souvenais pas de cette cinématique. Ah ouais? Est-ce pour Foxidas? Un présent? Non. C'est un souvenir. Je ne veux pas en parler, Damastès. N'est-ce pas à Bayek? Confie-le-moi, je vais l'apporter à Foxidas. Il adore ces objets. Si je te tuais, t'en penserais quoi? Je ne suis pas d'humeur à plaisanter aujourd'hui. Nous avons dépassé Néapolis à l'aube. Si le vent se maintient, tu seras au forum de Rome d'ici deux jours. C'est terminé entre Bayek et toi, hein? Je le sens. Aucune décision n'est aisée. Mais tu as été choisi. Et te voilà libre, comme moi. Un nouveau jour commence. Face un bateau ou pas face un bateau? Eh oui! Allez, plus vite! Face un bateau! Alors, est-ce que ça va bugger à votre avis? Est-ce que Ubisoft va nous sortir ce plaisir et bugger une nouvelle fois? On ne devrait pas baisser notre garde. Faisons comme s'il nous attendait. La fameuse phase qui avait bugué pour mon attention, le suspense est à son comble. Oui, vieil homme. Je suis impatiente. Impatiente d'en finir avec tous ces chiens. Tu auras de quoi faire. Le monde ne manque pas de chiens. C'était pas la phase d'avant qui avait bugué pour toi, Tonyo? Ils nous ont repérés. Ces feux vont attirer leur... Par contre, la musique en bateau est bidon, ouais, tellement.
Allez, montre-nous les bateaux, on s'en fout de la flamme. Non, c'est celle-là, d'accord. Ils arrivent. Allez, marins, faites-en de la charpie et rendez-les à la mer. Ramez ! Ah là 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 ! Ah, il y en aura des champs, notre honneur, en souvenir de cette journée. Si quelqu'un compose un chant, je me couvrirai d'algues comme une sirène pour le chanter. Je m'en souviendrai. Crois-moi, tu le regrettes. Maintenant, une chance. Ha 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 ! Un autre par le fond ! Il n'y en a plus qu'un à envoyer par le fond ! Ok, allure de rame. Il nous envoie des brûlots! Paramon. Pour l'instant, pas de bug MDR. Ouais, mais c'est sur le gros bateau que ça bug. Les navires sont trop proches. Ils vont nous toucher. Nous sommes débordés! Ces brûlots sont trop nombreux! Nous devons les couler avant qu'ils nous atteignent. S'ils nous touchent, nous sommes finis. Il faut les détruire. On tire! Des brûlots devant! Brûlons à bâbord. D'autres brûlons sur nous. Par les dieux, il y en a partout. Et ils sont où tes brûlons? Ah, ils sont là-bas, ok. Non, c'est pas ce que je voulais. Je voulais déjà que tu me coules celui-là, tu vois. On coule. Allez, YOLO. Ben voilà. On a la puissance de feu pour les détruire tous. Impossible. Notre flotte est dispersée et nos alliés nous ont abandonnés. Le gros bateau. Réveille-toi, vieille barbe salée, et sauve ton navire. Une autre flotte là. Là. Zeus nous pisse dessus depuis le sommet de l'Olympe. Non non, ce sont Brutus et Cassius. Regarde. Et nos catapultes sont avec eux, pourvu qu'ils les utilisent. Vite! Marin, ne craignez pas ce monstre. On dirait un sinistre Léviathan, mais nous danserons autour de lui comme des sardines. Je ne dis pas que tu as été poète dans ta jeunesse, Foxida. Je crois que j'aurais été. Philosophe, mais... Ah, ce que nous aurions pu être. Un million de choses, je vais écrire tes mémoires un jour. Quelle bonne idée! Et si tu promets de les glisser dans la bibliothèque d'Alexandrie, notre légende ne vivra jamais.
Et ce chapitre sera certainement le plus lu de tous. Toi, tu vas pas faire le malin longtemps. Voilà, ça dégage. Ensuite, toi, cousin. Je vais te couper en deux. Voilà. J'ai pas eu de bug. Sauf que la bibliothèque d'Alexandrie a brûlé, je crois. Ouais, fainéant ! Me semble, ouais. C'est un beau jour. Me semble aussi. Pas de bug. Et un GG, MDR. J'aimerais essayer une ville appelée Antium. Et j'ai eu assez de bugs comme ça, je crois. Accueille beaucoup de marchands. Ce sera plus sûr pour vous. De là, Rome est à une demi-journée de cheval. Bien joué. Merci beaucoup. Septimus ? Ou pas Septimus ? Et après, vendredi prochain, on partira que sur de l'annexe. Et on fera énormément d'annexes. Après, on arrivera au Sinaï. Au Sinaï, je sais pas encore ce que je vais faire. Si je vais d'abord m'occuper de la l'histoire principale du DLC ou si je vais commencer par l'annexe. Et pour la malédiction des pharaons, je ne sais pas non plus. Donc on verra ça. Non pas après le match, mais après l'histoire. Dans quelques jours, César deviendra officiellement un tyran. MDR, pas Gigi, non. Tu es un dieu. Le Sénat sera moins facile à convaincre. Cette assemblée de poules bavardes. Laisse-moi être ton loup. Allez, ne faites rien avant de signaler. Alors, à votre avis, GG ou pas GG? Alors, César est à la tête de l'ordre maintenant? César est le père de la sagesse. César et toi, vous mourrez. C'est à l'ordre que tu t'attaques maintenant. Et l'ordre est plus grand que Rome. Retourne en Égypte avec tous ces douceurs. Avec toi, le meurtre devient juste et nécessaire. Je commande. Peut-être bien, GG. Moi. Je suis la grandeur. Je vais plonger ton ordre dans l'oubli. À genoux devant César, devant Rome. On est bien dans le camp de C'est nous qui écrivons l'histoire. César va te rejoindre dans les ténèbres. Ton fils s'est pissé dessus quand il a vu le couteau. Je vais jeter ton cœur au loup. Et on fait tourner les serviettes. Tu n'as aucun honneur. Tu m'as tout pris, tout. Je suis un gabit, Yannoui. Je pensais que tu allais fuir, papa. Tu aurais dû en profiter pour disparaître. Flavius ne sera pas là pour te sauver cette fois. Les lois de Rome ne te protégeront pas.
Ah, mais ta mère, toi. Sérieux, tu m'as eu? Yeah! Fais-moi le rigolo là! Un cauchemar, il fait très mal ce chien, je sais. Sois maudit, Loupard. GG Warlocks, merci. Le cœur de mon fils. Contre ta vie. La vengeance t'a apporté ce que tu voulais. Le médecin et toi. Comme D'Artonio, souvenir, souvenir. Le bâton. C'est l'ordre qu'il a. Je l'ai servi comme l'Égypte que tu aimes tant. J'aurai ma récompense dans l'autre monde. Pour l'éternité, du vin et des femmes parmi mes frères. La seule chose qui t'attend, c'est l'oubli. Pour ton nom, ton ordre, et les corps putréfiés de tes Capignani. Capet dévore ton cœur fétide. Rejoindre la curie. C'est où? Et là? Cet endroit grouille de soldats. C'est la fameuse phase d'infiltration que je peux totalement gruger si j'en ai envie. Ça peut être très long à gruger, mais c'est grugeable. Ah oui, comment? Bah tu te mets là, et tu fais tout le tour, pour aller jusque là-bas. Technique de fatigué qu'à la flemme en fait. Parce que là j'ai pas assez nous, j'ai rien. Enfin. Et l'arc, ça m'étonnerait qu'il fasse masse dégâts. Oula, je suis en retard. Recharge Tonio. Eh oui, recharge Tonio si tu es en retard. C'est fait. Ça va être trop long. Faut les éviter, pas les tuer. D'ailleurs, je les avais tous butés, il me semble. C'est un choix, écoute. Mais. Avance. Ça, c'est la technique du flemmard. D'ailleurs, en cauchemar en plus. Ouais, en cauchemar, ouais, je crois qu'il les avait tous butés, il me semble. Aussi. Pourquoi je me doutais que tu gérer celle-là technique? Parce que flemme. Parce que bah, parce que je suis comme ça, genre. Je sais très bien que Warlocks il a la flemme tout le temps, tous les jours, à toutes les heures. Et que surtout là il aurait pas la patience, j'ai la mode discret.
Quoi que tu me diras, c'est une technique discrète hein, aussi, hein, parce que personne ne m'a voir. Patience, MDR, moins connu au vocabulaire de Warlock, c'est exactement. Après, c'est dommage, soit disant, elle peut pas monter en... sur les toits. Parce qu'en vrai, si on veut être discret, le mieux c'est de passer par les toits. C'est le but d'un Assassin's Creed, quoi. Là, je glitch toute la phase, hein. C'est vrai en plus, mais sans aucune forme de pitch, vu que le jeu m'a bien niqué une séquence de jeu. Oui, on voit ça. Et le pire, c'est que ça marche. Y'a des gueux qui me repèrent. Heureusement qu'ils ont pas mis de l'endurance comme Breath of the Wild, mais tellement, oui. Après, s'ils se mettent à faire ça dans un Assassin's Creed, tu vois, genre le jeu, je le lâche. Tu vois, je prends la manette, je la pose et je vous laisse comme ça. Surtout qu'ils en seraient capables en plus. Baisse-toi. Voilà. J'imagine que. C'est clair. Y'a qui là? Y'a personne. Ah là, y'a des gars qui peuvent me voir, ok. La minerai, ça m'a quand même pris 2 heures et 20 minutes pour arriver jusqu'à la fin du jeu. Quand même. Je ne demande qu'une chose, que vous vous joigniez à moi pour bâtir une nouvelle Rome. Une Rome dont tu serais le roi. Laisse parler César! Nous voulons une Rome qui offre la justice, la paix et des terres à tous ses citoyens, pas seulement à quelques privilégiés. Tu es tout aussi privilégié que moi. Je ne suis pas dictateur à vie, moi. Un honneur qui m'a été accordé par le peuple de Rome. Allez hop, terminé. Je te connais, toi qui frappes depuis les ombres.
Le même sort s'abattra sur tous les despotes. À la fin, il est impossible de ne pas devenir ce que les autres voient en toi. Et j'ai été un dieu! Il existe un nouveau credo. Rome est éternelle! Elle ne tombera pas devant toi, ni les tiens. La liberté ne se donne pas, César. La liberté se prend. Requiescat in pace, César. C'est un gangbang subi par César. Bah, il a eu ce qu'il méritait. Le premier requiescat in pace, exactement. Et après, ça se dit plus. Ça se dit dans Assassin's Creed 2, dans Brotherhood, dans Révélation, même plus trop. Et après, ça se dit plus. Sur le trône de Rome. Écoute les cris dans les rues. Ils pensent que tu étais la putain d'un tyran. Je suis toujours ta reine. Tu es la reine des menteurs et des serpents. J'ai combattu 5 ans pour toi. Notre peuple te vénérait. Apollodorus est mort pour toi, pour l'Égypte. Pour l'Égypte. Je suis l'Égypte. Alors sois la reine que notre peuple mérite. Ou rien n'empêchera ma lame de te trancher la gorge. Tu es la dernière des pharaons. Voilà. Donc normalement l'histoire principale est finie. Sauf qu'on a toute l'annexe à faire. On a encore des filacs à se faire aussi, histoire de récupérer la tenue des filacs. Et après on partira sur le premier DLC qui est ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas au Sinaï, c'est un bon DLC qui te rapporte masse XP en fait, tout simplement pour pouvoir enchaîner sur la malédiction des pharaons. Et puis après on fera la malédiction des pharaons, et une fois que la malédiction des pharaons sera finie, j'arrive pas à parler, on repartira sur la purge Odyssée, bien évidemment. Et on finira Odyssée aussi également. Avec les combats contre les cyclopes, contre le Minotaure, contre Médusa, si c'est possible, tout ça et tout. Donc voilà, j'espère que cette aventure principale vous a plu, en ma compagnie, même si je dois avouer que ce dernier live, c'était pas trop ça, j'avais chaud, ça m'a gonflé d'avoir chaud, donc... Et j'en suis désolé, tout simplement. Donc là, théoriquement, on va reprendre tranquillement. Prochain live, je pense que je vais m'arrêter là, je vais pas réussir à faire plus. Prochain live, je pense qu'on fera que de l'annexe, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au DLC. Et puis ça se trouve aussi pendant le live, il y a peut-être plusieurs moments où j'ai pas remis le micro, où je parlais dans le vent, enfin. Bayek, César a été assassiné. Septimius est mort lui aussi. J'ai créé un bureau au cœur de Rome. Mais personne ne connaît notre existence. Comme Amon, nous sommes ceux qu'on ne voit pas. Je crois en toi. L'ironie de la liberté. Nous sommes libres l'un de l'autre, mais cela ne m'apporte aucune joie. Nous devons aller de l'avant, demeurer dans notre tourbillon de poésie sanglante. En dépit de tout, nous dansons, et ils meurent. Des ténèbres nous sommes issus, et dans les ténèbres nous resterons. Les humains ne sont pas promis à l'éternité. Mais ce credo, si. Le credo est la seule chose immortelle en ce monde. Partez.
Vous êtes libre. Je ne veux pas rentrer tout seul. J'ai peur. Est-ce qu'on l'emmène au bureau ? Non. Je vais te ramener. Ne laisse jamais la peine peser sur ton âme. La vie est brève et le temps est cruel. Mais moi, je ne suis plus celle que j'étais. J'ai renoncé à tout l'amour que j'ai reçu. J'ai renoncé à Aya. J'ai tué Aya. Je suis celle qu'on ne voit pas. Celle qu'on appelle Amunet. Un très beau jeu, dommage pour les bugs. GG Warlox, merci Captain. Papo, saute. Bon, théoriquement. On a fini l'histoire principale. Tout simplement. Donc on les a tous poutrés, genre il n'y a plus de dégueu, genre ils sont inexistants les gens. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour ce live. Je vais pas continuer plus. La semaine prochaine, vendredi, on se retrouvera pour de l'annexe. Que de l'annexe. Maintenant il reste que ça à faire. Jusqu'au début des DLC. Donc c'est... Bureau de ceux qu'on ne voit pas. Oui, je sais, merci beaucoup. On va s'arrêter ici pour ce live. Pendant un très bon moment, on va faire beaucoup d'annexes. Donc le jeu n'est pas terminé en vrai. J'ai fini l'histoire principale, oui, certes, mais on n'a pas fini le jeu. J'ai pas fini les rediffs sur ce jeu non plus. Je vais faire l'annexe, on va faire l'annexe ensemble. Donc on se retrouvera vendredi prochain à partir de 22h. Pour la suite, non pas de l'histoire principale, mais de l'annexe. Je veux essayer de monter... le perso le plus haut possible pour qu'il soit fort comme jamais, tu vois. On changera la tenue aussi. Puis après, on enchaînera sur le Sinaï. On fera l'histoire du Sinaï. On fera l'annexe du Sinaï. Après, on partira sur la malédiction des pharaons. On commencera d'abord par l'annexe dans la malédiction des pharaons. Je préfère faire comme ça. Et après, on fera l'histoire. Et puis après, on en aura tout simplement fini avec Assassin's Creed Origins. J'espère que ça vous a fait plaisir de me voir, d'être venu avec moi en live. Pour cette aventure qui était fort fort cool d'ailleurs, mais hormis les bugs, hein, voilà, les bugs il y en aura toujours. On parle d'Ubisoft, c'est comme si on parlait de Codemaster avec la F1 quoi. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir, vraiment sincèrement, moi ça m'a fait extrêmement plaisir, même si bon, pour ce dernier live j'étais pas fort, mais j'avais chaud, je suis fatigué, je me suis vite énervé et j'ai fait mon crevard avec le jeu. Ça marche, voilà, que ça va être long l'annexe MDR, c'est clair, fort comme la force, en forme. En forme de force. Merci Warlock pour ce live et ce let's play très cool. Et bien merci à vous les modos. Merci à ceux qui sont venus, qui ont parlé un peu avec moi. Merci à Loulou. Merci Dolphini. Je sais que Dolphini, tu es encore là. Je sais que tu es encore caché dans le silence le plus total. Prochaine fois, vendredi prochain, on reprend l'annexe. Demain, je vous donne rendez-vous normalement. Et je croise les doigts pour qu'il fasse moins chaud si c'est possible. Pour Horizon Zero Dawn, parce qu'Horizon Zero Dawn, sinon, s'il fait chaud, ben, je vais m'énerver encore. Et ça va pas être agréable pour les viewers, ni pour moi d'ailleurs. Oui, c'était cool. Merci à toi. Il est celui qu'on ne voit pas. Lol. Taisez-vous. C'est pas encore le cas.
On n'a pas encore la tenue de ceux qu'on ne voit pas. D'ailleurs, une tenue de ceux qu'on ne voit pas que je kiffe énormément aussi. Hein. Prépare ta colère, MDR. Ouais, mais c'est pas cool, tu vois. Genre, s'il fait chaud, que je m'énerve, tu vois. Genre, c'est pas intéressant. Ça me gonfle, tu vois. En fait, le problème de l'été, c'est que ça me gonfle. Il fait trop chaud, c'est prise de tête. Fin... Maintenant, il fait partie de... Ceux qu'on ne voit pas, dans le fini. MDR. Ceux qu'on ne voit pas, t'inquiète pas, je sais. Donc merci à vous les modos, merci Dolphini, merci à Loulou, qui n'est plus là. Elle a dû s'endormir, enfin il ou elle a dû s'endormir, ou elle a dû tout simplement arrêter, hein, parce qu'il est quand même minuit, presque 1h du matin, ouais, d'habitude on s'arrête à 1h du matin, donc ça fait que 2h30 de live, c'est parce que je l'ai démarré en retard, parce que j'avais mal à la tête, oui, c'est l'anecdote, moment où je raconte ma vie, ouais bref. Merci à vous, c'était cool, on se retrouve demain pour Horizon Zero Dawn, on se retrouve la semaine prochaine, mardi, pour God of War. Après, on se retrouvera jeudi normalement pour Need for Speed Payback. Et après, vendredi prochain pour Assassin's Creed et samedi pour Horizon Zero Dawn. Merci à vous, prenez soin de vous. Faites attention à la chaleur, c'est mortel. Bonne nuit ou bonne soirée, tout dépend de ce que vous faites. C'était Warlock, Warlock signé. Et je vous souhaite une très très bonne nuit. Salut. Bonne nuit et bonne soirée, rendez-vous demain. Pour un live aux petits oignons sur Horizon Zero Dawn. Oui, enfin, j'ai rajouté des mots. Allez, on va s'arrêter ici. Prenez soin de vous, aux petits ailes. Et fines herbes. Merci pour le live. De rien, Dolphini, de rien. Je sais que tu peux pas trop parler, donc de rien. Je sais que... D'habitude, tu dis le message complet, mais là, tu ne peux pas, je sais, je me doute. De rien pour le live, je te donne rendez-vous demain pour sur Twitch. Bonne nuit, à demain. Salut, c'était Warlocks.